Salut à tous, c'est Guillaume. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, pour ma part, eh bien écoutez, ça va plutôt bien. Je suis un peu fatigué et un petit peu malade, mais ça devrait aller pour cette vidéo. En tout cas, je l'espère. Donc, comme vous pouvez vous en douter, car je le rabâche depuis plusieurs vidéos déjà, j'ai commandé trois box japonaises sur, au Japon, évidemment, hein, vu qu'elles sont japonaises, ça va de soi. Et il m'en reste une, forcément, c'est Megalocanon avec un superbe Genesect en illustration sur la box. Donc nous avons déjà ouvert la Yveltal ici et la Xerneas, et c'était vraiment de très bonnes box. Plus Xerneas qu'Yveltal, vu que la box Xerneas m'a quand même donné une secret, une full art Xerneas, donc c'était juste parfait. Voilà, bah écoutez, on va directement hop, ouvrir la box. Mon avis, c'est la meilleure chose à faire hein, quand même pour commencer la vidéo. Cette fois-ci, je l'ouvre devant vous car vraiment, c'est pas si compliqué. Hop, voilà, ça s'est fait. Vraiment pas compliqué à ouvrir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un Cryptero, un Limaspid. Ici, je ne sais pas. Ici, nous avons alors. Je pourrais pas vous dire si c'est Créelf ou Créfadet, je crois que c'est Créfadet, on va dire Créfadet au hasard. Aussi Créfadet, le tout bleu, et Dalakalmine. Coucou Léo. Voilà. Bon allez, je vais du coup l'ouvrir. En fait, je galère souvent, c'est au niveau d'ici, parce que ça, c'est souvent. Regardez ça, ça coince, ça me gave déjà. Hop, je sais pas comment on fait pour tirer, mais j'ai pas envie de tirer parce que ça va l'arracher. Normalement, c'est. C'est censé s'ouvrir tout seul. Attendez, je vais essayer de faire un truc parce que là, ça, c'est bizarre. Hein, parce qu'en fait, la japonaise et la Y, c'était assez facile. Mais par contre, là, c'est un peu plus difficile. Je ne comprends pas pourquoi. Allez, je veux bien. Ah, c'est bon, voilà. Ah, quand même. Super, j'ai réussi. Voilà pourquoi je le fais jamais en vidéo parce que ça me prend du temps. Même si, bizarrement, la Yveltal m'a pris beaucoup moins de temps, c'était vraiment la n'importe quoi, la Xerneas, c'était beaucoup plus facile et plus rapide. Hop. Enfin bref. Voilà, où il est défoncé ce booster, what the fuck. Hop, on va tout retirer. Et on va compter. Je vais mettre ça ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. D'accord, hop, du coup, on va ouvrir forcément 10 boosters pour cette première partie et j'ouvrirai les 10 derniers dans la deuxième partie, évidemment. Ça me semble logique. On va commencer par le booster qui est défoncé. J'ai envie de voir l'état des cartes, ça me fait un peu peur, je vous avouerai. Hop. Ça c'est fait. On a un beau soleil, donc j'en profite justement pour. D'accord, cette fois-ci il n'y a pas de, y a pas de pub. J'en profite pour faire la vidéo vu qu'il fait beau. Allez. Alors bon, c'est des Pokémon que je connais, donc ça devrait être facile. Galégon. Hop. Enchouette. De toute façon, ce sont toutes des cartes que j'ai déjà, donc Reliquante en. Plasma, Symbiose, et derrière Vasilis en rare. D'accord. Donc, de toute façon, si le booster était défoncé, ce n'est pas très grave de ce que j'ai eu. Tac. J'ai remarqué que souvent, les premiers boosters, j'ai souvent. Bah, j'ai toujours des rares au niveau des boosters japonais. J'ai toujours des rares. Et pas des belles en plus. Ça, je vais mettre là. J'aime bien les garder. Tac. Hop. Allez, j'aimerais bien avoir, je sais pas, deux ex ou une ex et une foulard, ce serait une bonne box, je pense. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a vraiment dans ces box. Hein. Si je connais toutes les cartes, vu que j'ai ouvert une display explosion plasma et que ça vient de là, mais je ne sais pas en fait ce qu'il y a dans les box japonaises. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, Enchouette encore une fois, Symbiose, n'importe quoi, c'est Nucleos, Machoke. Megapagos, je crois que c'est ça, Megapagos et Fossile Plume. Ok, hop,
Ensuite, tac, tac, hop, 1, 2. Reliquante, reliquante, Malos, Loclas, qui est en commune d'ailleurs. J'ai pas compris pourquoi, parce que elle mérite au moins d'être en peu commune, voire rare, parce que franchement l'illustration est vraiment très belle. Un tir à Lima Speed. C'est d'ailleurs la dernière carte que j'avais obtenue, là c'est en français, que j'ai obtenue dans ma display. J'aime pas ce Pokémon en plus, donc super. Et derrière, oh, ah ouais, ça en jette. Ah, je suis choqué. Ah, et ça se sent pas en plus, c'est pas Genesect Full Art. D'accord, bah écoutez, superbe. Elle est superbe, y a pas à dire. Hop, ça fait plaisir. Ah, j'aurais peut-être préféré une petite shiny. Ah. Bon, on a la Full Art, on n'aura pas de shiny, c'est pas grave. Mais elle est super belle. Je suis vraiment super content. Et puis, je ne l'ai pas. J'ai eu seulement deux. Ben, si vous avez regardé ma display, je n'ai eu que deux ex. Enfin, deux ultra, et c'est Viridium ex et Viridium Full Art. J'espère ne pas tomber sur celle-ci. En tout cas, là, pour l'instant, je suis très content. Ouais, super, ben, Genesect Full Art. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Allez, hop, on enchaîne. Tac, tac. En plus, bah, c'est la box Genesect, donc ça ne pouvait pas mieux tomber. Hop. Alors, Stalgamin. Gringolem. Ouais, c'est ça. Kibago, enfin coupe-note. Ça, je ne sais pas ce que c'est ceinture, je sais plus quoi, ou bracelet, je sais pas. Non, c'est plus une ceinture. Et Cré Elf en rare. Je pense. Je pense que c'est Cré-Elfe, j'espère. Non, c'est. Ah non, c'est Cré-Fadé, pardon. Cré-Fadé, je crois. Je crois. De toute façon, on s'en fiche. C'est wesh my gueule de. Le shiny de Whoopidoo, basta. Y a pas à chercher plus loin. C'est comme ça. Je crois qu'on en est déjà à la moitié. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, c'est le cinquième. Machoper. Carapagos. Garlekid. Iris en dresseur, et derrière, c'est la première fois que je vois des holographiques japonaises. Je l'avais même pas vue. Elles sont vraiment super belles. Est-ce que je peux comparer? Non, je peux pas comparer parce que je les ai rangées dans mon classeur. Parce que je l'ai déjà eu deux fois, celle-là en français, mais c'est pas grave, en japonais elle déchire. Y a pas à dire. Je vais te prendre ça, hop. Tac. Aeropteryx, évidemment en holographique. Super. Hop. Tac. Bon, une holographique, une full art. Elle fait plaisir pour l'instant cette ouverture. Hop. Tac. Ensuite, on enchaîne avec un polygon qui est sûrement dans un, je sais pas, court-circuit, dans un circuit. Mouchanra, Teddy Ursa. Mascadra, qui est d'ailleurs c'est une rare en France. Et derrière, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Persila, je crois. Du Conseil des Quatre. Tac. Du Conseil des Quatre, c'est ça. Hop. Alors, ça, c'est Caraclée. Ouais, Caraclée. Aragdo, bon, on a eu Mascadra, on vient d'avoir Aragdo, super. Remoraid, Grodrive, et oh! Une Hytex, ça fait super plaisir. Oh! Ah ouais, quand même. Et c'est parfait parce que j'ai les deux autres, mais celle-là je l'avais pas. Enfin, je crois qu'il y en a quatre dans cette collection, et je ne l'avais pas. J'ai deux fois Rappel Cyclone, et je ne sais plus quoi. Ça fait trop plaisir d'avoir enfin une Hytex. Surtout japonaise. C'est ma toute première. C'était d'ailleurs. Non, c'était pas ma toute première full art. Ah si, c'était ma toute première full art d'ailleurs japonaise. Et ma toute première high-tech. Et en plus, ce n'est pas une double. Et bah, franchement, super. Pour l'instant, il n'y a pas à dire. C'est super. Je suis vraiment content là. Ça fait plaisir. Déjà, c'est une belle première ouverture. J'espère ne pas avoir tiré toutes les bonnes cartes pour avoir une deuxième partie. Bah, une intéressante.
Bon, de toute façon, les cartes japonaises, c'est toujours intéressant, il n'y a pas à dire. Tac. Allez, il nous reste 3 boosters. Tac. Hop, 1, 2. Plus c'est super rapide, les cartes japonaises, c'est abusé. Allez, Carabing, Octillery, bon, on a eu Remoraid tout à l'heure, on a son évolution. Voilà, j'ai complété la famille des symbioses, donc là c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est Meios. Oniglali. Oniglali, voilà. Et, oh, elle est super belle comme holographique. Et elle déchire. Au massacre holographique. Ok, allez, je la trouve super belle. Elle est carrément plus belle que la française. Ah, ça, il n'y a pas à dire. Super belle. Au massacre holographique. Mais la macro veut pas se faire. Ah, si, c'est bon. Au massacre holographique. Super belle. Il n'y a pas à dire. Allez, il nous reste les deux derniers boosters. Ouh, oh, je viens de casser un truc, c'est pas grave. C'est chez moi, on s'en fiche. Tac. C'est à force de mettre mes pieds n'importe où, je casse tout ce qu'il y a en dessous de mon bureau. Enfin, on s'en fiche un peu, j'ai envie de te dire. Hop. Alors, là, c'est l'Empéroué. Donc, l'Empéroi. Hein. Baudrive. Pyronie. Ça, c'est quoi? C'est, je sais pas, c'est brassard ou ceinture de je sais pas quoi. Et derrière, un Lansargo en râle. En râle. Voilà. Tac. Et on termine avec ce dernier booster pour cette première partie d'ouverture. Hop. Ah, est-ce que je l'ai bien ouvert? Ouais, ici il y a une ouverture. Tac. Voilà, ça fait déjà 10. Tac. Alors, on termine du coup avec un Porygon 2. Un Archéapty. Un Malos. Eh ben, on nous a tout à l'heure, mais je ne sais plus ce que c'est. Et on termine avec. Et c'est super parce que je l'avais pas en français, donc je crois que c'est l'une des dernières qui me manquait. Tranchondon holographique. Super belle. Je vous laisse l'admirer si la macro veut bien se faire. Youhou. Ah, c'est bon, elle s'est faite. Voilà. Tranchondon holographique. Super belle. Bah écoutez, très content de cette première partie. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on va faire un petit récap. Et bien, écoutez tout de suite. Hein. Ça va être très rapide à faire. Tac, 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 tac. Enfin, très rapide. Hop. Alors, nous avons eu Archéapty en holographique. Un Omassacre holographique également. Un Tranchodon holographique également. Ensuite, une super belle high-tech. Elle est super belle. Je sais pas. Pas du tout quel est son nom en français, mais elle est super belle. Et elle me manquait. C'est la carte qu'il me manquait plutôt. Donc voilà, ça fait plaisir de compléter les high-tech. Moi, bon, je crois qu'il m'en reste une seule à avoir. Et la plus belle de toutes, forcément, Genesect en full art. Elle est assez sombre, mais elle est vraiment trop trop cool. Et c'est la. C'est bizarre, c'est pas une secret, mais c'est la 78e sur 76. J'ai l'impression que les. Les full art sont. Enfin, les full art japonaises sont, on va dire entre guillemets, des secrets. Enfin, bref, voilà. J'espère que vous appréciez en tout cas cette première partie de vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie. Voilà, salut à tous!